Et salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Vidéo carrette aujourd'hui où on va essayer ce tas de merde, là, ce tas de rouille là, qui s'appelle Tesla Model 3 et qui fonctionne à l'électricité produite par nos plus belles centrales nucléaires en France, bien sûr, bien évidemment. Bah oui, apparemment le nucléaire c'est vert. Donc salut. Un mec qui klaxonne dans la rue, je sais pas qui c'est, donc bon. Alors désolé, je suis placé peut-être pas au meilleur endroit. Il y a une route en face de moi, il y a un rond-point là, il y a une route derrière, on est encerclé. Mais l'endroit où on est précisément là, il y a que dalle. Et on est en extérieur, donc bah possiblement il y a du vent. J'ai vu tout de suite ce que ça allait donner. Possiblement je suis mal placé, et possiblement ça fait comme ça dans le micro depuis tout à l'heure. Juste avant de démarrer dans le dur, n'oublie pas de t'abonner bien sûr à la chaîne YouTube en activant la cloche et les notifications juste à côté, puisque c'est comme ça que tu sauras quand je sors des vidéos sur cette putain de chaîne YouTube incroyable. Et il y a les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter, ils sont en dessous dans les descriptions, et notez juste ici @CRMIOfficiel sur tous. J'allais dire à peu près tous, mais c'est une déformation professionnelle. Et donc c'est parti pour la vidéo, jingle d'intro, on y va. Salut les frères, deuxième klaxon, c'est incroyable. Ils croient que c'est TF1, on va passer une excellente vidéo. Alors on est aujourd'hui ici avec une Tesla Model 3 propulsion, c'est la plus bas de gamme. C'est le premier modèle que vous pouvez avoir qui est proposé à un tarif de 41 990 € au catalogue Tesla. On est sur un véhicule qui fait une longueur de 4,69 m, une largeur de 2,08 m, troisième klaxon et on va jamais y arriver. 2,08 m disais-je pour la largeur avec les rétros dépliés, sinon on est à 1,93 m avec les rétros repliés, donc c'est une voiture qui est pas mal large pour nos routes ici de campagne. Ça passe mais faut s'y et une voiture qui fait une hauteur de 1,44 m. Je suis donc plus grande qu'elle et heureusement. On a un empattement au sol de 2,87 m. L'empattement, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est la distance entre le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière. Vous prenez la distance qu'il y a entre les deux, vous avez l'empattement. Merci Jean-Pierre, bonsoir. Au revoir. La garde au sol, on va en parler, moi je me disais mince, c'est un peu bas quand même, va falloir faire gaffe ici avec les dodanes, les routes, voilà, etc. Ça fait 14 cm de garde au sol. La garde au sol, c'est la distance entre le sol et le pare-choc du bas, enfin le pare-choc. La distance entre le parterre et le dessous de l'auto, emmerde pas le monde, tiens. C'est un véhicule qui fait 1,752 t pour la version propulsion, on monte jusqu'à 1,800 t, ça. Pour la plus haute, 4 motrices, c'est la performance, voilà, je cherchais le nom. Il y a 3 modèles de Model 3, c'est bizarre à dire, dans la gamme Tesla, il y a la propulsion, la première, Model 3, point. Il y a la grande autonomie qui est en dual moteur 4 roues motrices et la performance, dual moteur 4 roues motrices, et qui là vous satellise la gueule. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération, vous êtes satellisé. Viens, on va aller regarder les coffres avec mon câble de micro là qui passe, hein, c'est incroyable. Bon, des micros filaires, on n'a pas encore de quoi investir dans des micros sans fil. Alors viens, on va aller voir déjà le coffre à l'arrière parce qu'il s'ouvre comme un coffre traditionnel. Allez, viens. Mon All Glowed, elle est à température constante toute l'année. Ouverture électrique, ça il n'y avait pas ça sur les premières Model 3 qui sont sorties. Et on arrive sur une soute à bagages, littéralement, qui est donc ici, qui s'appelle un coffre arrière, avec un plancher plat si vous rabattez tous les sièges. C'est plutôt pas mal pour charger des choses. On a un petit double fond ici, où là, pour l'instant, on stocke les câbles de recharge et puis le petit sac pour le matériel pour la vidéo. Ouverture électrique et fermeture électrique. On a un petit bouton qui est juste ici, un petit bouton rond, incroyable du cul, hein, un bouton. Voilà, un bouton, t'appuies, ça sonne et ça ferme. On va maintenant aller voir rapidos le coffre à l'avant, le frunk, parce que c'est une voiture électrique, donc il y a un coffre à l'avant. C'est des ouf! C'est ouf! Alors là, par contre, pour ouvrir le coffre à l'avant, t'es obligé de passer. Comme nous, on n'a pas l'application Tesla et on peut pas appairer. Parce que, bon, faut que je vous fasse l'histoire. C'est un véhicule de loc. On l'a pas acheté, ça coûte trop cher. Et quand tu loues une Tesla, tu peux pas l'appairer à l'application Tesla. C'est un chantier trop important pour Tesla. C'est pas juste tu connectes la voiture en Bluetooth et ça marche. Non, non. Genre, tu fais la demande d'appairage à Tesla, ça met quelques jours pour qu'ils te mettent, voilà, telle voiture appartient à telle personne, etc. et qu'elle apparaisse dans l'application Tesla. Genre, c'est un vrai truc, tu vois. Donc, on contrôle pas ça avec l'application Tesla. Donc, nous, on contrôle tout avec la carte qui est dans ma poche.
cache. On va en parler maintenant du coup. Hein. Donc c'est, moi j'ai une petite pochette, je vous cache la plaque, ça ira mieux. Donc une petite pochette Tesla toute noire avec à l'intérieur la carte, hop, qui est donc ici scotchée pour pas qu'elle se barre. Mais c'est une carte, croyez-moi, c'est une carte noire avec écrit dessus Tesla. Et c'est une carte RFID. Donc là la voiture elle est ouverte, elle est déverrouillée, donc il suffit de la passer ici, la zone qui se trouve en dessous de la caméra du pilar, ici, tout simplement. Il manque quand même une petite inscription, ils auraient pu la mettre hein, à 41 000 balles la bagnole, ils auraient pu mettre un petit coup de peinture, un petit coup de crayon, je sais pas, j'en sais rien. Un truc quoi, Elon Musk, merde. Et donc vous passez votre carte juste en dessous, ça klaxonne, ça replie les rétros, là la bagnole elle est fermée. Si je continue à tourner autour, le mode sentinelle va s'activer, donc ça va enregistrer tout ce qui se passe autour de la voiture. Si jamais je décide de mettre un gros coup de rayure dessus, on va savoir que c'est moi. Et là du coup la caution, je la paye. De toute façon c'est moi qui a loué la bagnole, donc dans tous les cas... Après donc faut ouvrir, donc c'est pareil, mais ça klaxonne deux fois. Potentiellement avec le micro on n'entend rien, mais c'est bien, parce que ça klaxonne comme une voiture américaine et c'est drôle. Donc le coffre à l'avant, disais-je, bien dit, voir mon eau, elle glow, elle est à température constante, tout dit, allez, bien dit, j'ai cassé le matos, il y a une brindille qui nous gêne. Putain, sale de brindille, bordel, fais chier, c'est bon, laisse-la, ça va, allez, viens. Elle est superbe cette vidéo, franchement, on rigole, c'est incroyable. Le frunk, du coup, disais-je, bien y voir comment que ça se compose, c'est un bac en plastique. Voilà, c'est tout, hein. Y a rien du tout. Bac en plastique avec l'attache remorque, non, le ça là, que tu vises dans la bagnole pour te remorquer si jamais tu tombes en panne. Et ça, ce frunk ici, du coup, ça fait 88 litres. Donc, quand tu pars en vacances, tu mets ouais, un petit, voilà, quelques affaires, quoi, comme ça, en vrac dedans. Ça craint pas trop parce qu'il y a un joint tout autour. Donc, ça craint pas trop la flotte. Ça va. Et c'est du coup aussi ici qu'il y a donc le système de chauffage, de pompe à chaleur. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'ils le mettent. Et je crois que c'est maintenant sur toutes les Tesla, si je dis pas de conneries. Attention, je suis pas un grand connaisseur de Tesla. Et vous avez aussi le remplissage du... Vous avez l'accès au réservoir de lave-glace. Et d'ailleurs, il faudrait que j'en remets parce qu'il y en a plus. Là où je loue la voiture, hein, je tairai leur nom. Ah, décidément, le pollen, ça attaque. Ben, ils n'ont pas su remettre du lave-glace, donc il n'y en a plus. Voilà, le frunk. Et aussi, petite particularité qu'on ne verra pas là, parce que faut se contorsionner, ça fait chier. Faut se contorsionner. Il y a un bouton pour ouvrir le frunk de l'intérieur, qui fait aussi office d'éclairage, qui est là, en fait. Hein, voilà. Bon, si on arrive peut-être à le voir. Oui, si, on a un caméraman de génie. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Un petit bouton là, avec une ouverture, et en fait c'est ça, c'est typiquement américain, tu sais, c'est comme quand tu vois les films, genre ils sont enfermés dans le coffre et tout. Je suis pas tellement enfermé que ça. Hop, il appuie, le coffre il s'ouvre, il se casse. Il s'était fait enlever? Bah non, il s'est plus fait enlever. Tu me respectes toi là. Les Tojans, viens voir les Tojans, vieux. Alors sur ce modèle et sur toutes les modèles 3 propulsion, les modèles de base, on est monté avec ces jantes. C'est les Aero Wheels, comme ils appellent ça. C'est des enjoliveurs en fait en plastique. En tôle. Ok, enjoliveur en tôle. Donc là, c'est des jantes en 18. Je regarde la taille des pneus, c'est du 18. Hein. Oui, du 235-45 ZR 18. Monté en pneus Michelin Pilot Sport 4. Des pneus sportifs sur une bagnole qui fait une tonne 7. Bon, pourquoi pas. Vous pouvez avoir les jantes aluminium, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais vous pouvez avoir les jantes, les belles jantes aluminium grises en option, bien sûr, et elles coûtent... Voilà. Du coup, on parle des jantes, bah effectivement, les Tesla, c'est bien, c'est Tesla, c'est beau, Tesla, c'est boche, mais ça braque pas, Tesla. Tesla, qu'est-ce que t'as foutu sur le braquage? 11,60 m de trottoir à trottoir, en full braquage. 11,60 m. Ça braque pas, je te dis, ça braque pas. Ça tourne pas, ça fait chier. On va parler aussi rapidos des freins. Les freins à l'avant et à l'arrière sont des freins à disque ventilé. À l'avant, on est sur des étriers fixes à 4 pistons. À l'arrière, j'ai pas trouvé l'info, ça doit être du monopiston, comme sur beaucoup de voitures. Du truc classique monopiston. Donc 4 pistons à l'avant, monopiston à l'arrière, on va dire. Même si ça doit peut-être pas être ça, mais bon, OSEF. Quatrième klaxon, c'est incroyable. Quatrième klaxon, comptez bien. Il y a un compteur de klaxon. Ouais. Sur notre modèle d'essai, on a une batterie LFP lithium fer phosphate. Et on peut aussi avoir une batterie lithium, une batterie plus classique. Mais sur celle-là, non, c'est une LFP de 60 kWh de capacité brute, soit 57 kWh de capacité nette. La capacité brute, c'est elle. La batterie, quand on vous la donne, c'est, on vous dit, elle fait ça comme capacité. Ok, 57 kWh mobilette. Compteur mobilette aussi. Ah, fait chier. 57 kWh net, c'est ce que vous allez pouvoir consommer réellement. Donc il y a une marge de 3 kWh qui reste un peu en sécurité, parce qu'une batterie comme ça, ça aime pas être vidée entièrement. Et du coup, Tesla nous promet une autonomie de 400... 400...
Ah ouais, c'est ça, 491 km en norme WLTP. On peut monter jusqu'à plus de 600, je crois, km d'autonomie avec 609, je crois, km d'autonomie avec la version performance. Niveau puissance, alors Tesla communique pas trop, mais d'après des tests effectués par d'autres journalistes automobiles que moi je ne suis pas, on est à 275 chevaux et sur les roues arrière uniquement. Et ouais, parce que c'est une propulsion. Et du coup, à l'arrière, on a un moteur synchrone à aimant permanent à refroidissement liquide avec un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 1 sur un terrain sec, machin, enfin 6 secondes 1 quoi. M'emmerde pas, c'est écrit sur le site de Tesla, merde. Pour la recharge, je vous mets du coup un petit passage vidéo. On a une prise combo CCS avec une recharge qui peut aller jusqu'à 170 kW. Alors moi, j'ai déjà testé une charge personnellement et j'étais monté, vous le voyez sur le petit passage actuellement, à 90 kW, même 93 à un moment 93 kW, j'ai fait une charge de 40 à 100% en 40 minutes à peu près, 40-45 minutes. Sur cette Tesla Model 3, au niveau des technologies, derrière moi, on a un écran central de 15 pouces, un écran multimédia avec tout le système embarqué Tesla V11 d'ailleurs. Système qui, sur ce modèle-là, comprend du coup un pack autopilote de base, on l'appellera comme ça, avec du coup le maintien de cap, la fonction de maintien de cap qui est en bêta par contre. Et ça, c'est sur tous les... Je suis désolé pour le vent, s'il y a du vent. Donc le maintien de cap en bêta, mais qui bizarrement fonctionne déjà hyper bien pour l'avoir testé. En France, il faut toujours avoir les mains près du volant quand vous activez ces systèmes. C'est pas une conduite full autonome. Enfin, quand vous l'activez, vous pouvez tout lâcher, mais ça vous demande régulièrement de, si vous mettez pas votre main sur le volant, ça vous demande de mettre une petite main sur le volant, de faire un léger coup de volant pour dire que vous êtes là. Tout ce système va fonctionner avec les 8 caméras au total qu'il y a tout autour de la voiture. Je vous les décompte, il y en a une ici pour les angles morts en fait de chaque côté des c'est pas sur les rétroviseurs mais sur les côtés au niveau des répéteurs de clignotants, donc une à gauche, une à droite. Il y en a une sur chaque pilar, moi comme j'appelle ça, sur chaque montant en haut, à gauche, à droite. Une à l'arrière, on en est déjà à 5 caméras et il y en a 3 au niveau du rétroviseur central qui filme en fait devant la route ce qui se passe. Ça fait bien 8 caméras au total. On a un régulateur de vitesse dynamique qui, quand vous l'activez, va calculer la distance que vous avez entre vous et la bagnole devant et réguler la vitesse en fonction. Si l'autre devant ralentit, vous allez ralentir. Si l'autre devant accélère, vous allez accélérer jusqu'à votre vitesse que vous avez réglée. Et tout ça, tout ce système, tout le système électronique pratiquement de la voiture va être géré avec un processeur AMD Ryzen. Tout le monde dit les mêmes processeurs que de la PS5. Les mêmes processeurs qui montent dans les ordinateurs. Et toc. Allez, maintenant du coup, on passe à l'intérieur. On est maintenant à l'intérieur de cette Tesla Model 3 et l'intérieur ici, alors sur cette version, on est sur un intérieur couleur noire avec les petites boiseries qui passent ici, vous pouvez les voir là ici à la vidéo, qui passent donc ici dans les portes, comme ça, si tu arrives à faire un petit plan impeccable mon chef. Donc de la boiserie ici et sur toute la largeur ici de la planche de bord, il y a un plaquage bois. Et c'est la même chose sur la porte à un passager. Ce petit rappel sur la porte passager ici, ça il n'y était pas sur les premiers modèles commercialisés à l'époque, en 2019 je crois, 2000, c'est encore plus vieux que ça le modèle 3, je sais plus. Bref, sur les premières versions faites, il n'y avait pas ça, et c'est depuis le restylage, le très léger restylage, qu'il y a ce plaquage. On a aussi l'intérieur blanc qui est prévu en option, enfin voilà, c'est, on peut prendre la sellerie blanc, et là le plaquage bois passe en couleur, un espèce de gris très clair. Et pareil, donc c'est sur les portes et la planche de bord. Ça là, le cuir qu'il y a partout ici, alors vous voyez les sièges, hein, comment un petit peu ils sont, si vous arrivez à pas voir, je suis désolé, je me contorsionne. Donc c'est noir, voilà, c'est les sièges d'une Tesla Model 3. Sur le modèle blanc, c'est les mêmes sièges. Et c'est du cuir végétal, c'est pas du cuir animal. Là-dessus, Tesla sont un peu à cheval là-dessus, ils ont arrêté d'utiliser du cuir animal, c'est du cuir végétal. Donc cuir végétal aussi du coup sur le petit repose-coude ici à l'américaine qui est super large et super haut, ça c'est génial. Au niveau de l'intérieur, on a aussi du coup, ça se retrouve également sur les pads de, on va montrer sur les pads de recharge sans fil, ça sera plus pratique. On a cette espèce de matière, alors c'est du, soit c'est du nubuck, soit c'est du de la suédine. En tout cas voilà, un petit matériau assez
assez sympa, assez dufteux. Là, du coup, il y a deux chargeurs sans fil pour les smartphones. Donc, voici un petit peu ici. Donc, c'est cette matière que vous retrouvez également donc, sur les plaquages de portes, à l'avant et à l'arrière. On continue en étant, du coup, ici, au niveau de la coudoir centrale. Quand vous ouvrez la partie qui est située juste ici, avec une petite retenue là, eh bien vous avez, on n'arrivera pas à les voir ici, mais vous avez deux ports USB-C à l'intérieur, et la puissance de ces ports USB-C ici, on verra pas, force pas, dis-donc, que tu vas devoir prendre des cachets pour la colonne vertébrale après, putain, parce que tu vas être bloqué du dos. Donc disais-je, vous avez deux ports USB-C ici, et ils partagent leur puissance de charge avec les chargeurs sans fil. Pourquoi ? T'as d'autres questions là, con, comme ça ou comment? Je te l'aurais dit si je le savais, j'en sais rien. Il est fou lui, pardon, j'ai été un peu agressif, désolé. Deux ports USB ici, et puis donc un petit rangement avec des tickets de... impeccable, des tickets à gratter. Bon, j'ai gagné 66 balles, c'est bien. Et des lunettes de soleil. Bon, deux petits porte-gobelets à l'américaine, c'est une bagnole américaine, il y en a partout, frère, des porte-gobelets. Donc deux ici, avec le câble de mon micro qui passe. La coudoir centrale, bien large et bien américain, qui cache en dessous un rangement, où j'ai mis un peu de bordel, il y a la carte grise, les câbles, des bazars. Vous arrêtez de nous déranger pendant qu'on fait une vidéo avec nos téléphones, merci beaucoup. Donc voilà. Un peu donc tout bordel, recouvert entièrement de voilà d'une matière dufteuse aussi, d'un tissu assez dufteux. C'est la même chose dans tous les rangements, y compris dans la boîte à gants. Le volant qui doit du coup aussi être en cuir végétal, ou sinon c'est une autre matière du TEP, du TEP, là, du je sais pas quoi. Bon bref, très dufteux aussi, qui vient bien en main, volant qui est pas trop grand. D'ailleurs, c'est une des particularités de ces bagnoles-là, le volant est pas hyper grand, avec juste deux molettes pour régler un peu tout. Au niveau de l'assise, de sa position, on peut trouver facilement justement sa position de conduite, puisque en plus on a des sièges chauffants à l'avant et à l'arrière également, sièges chauffants également à l'arrière, et à l'avant on a des réglages électriques pour les sièges, l'avancement, le dossier qu'on peut régler, les lombaires qui sont réglables électriquement, et on peut aussi, il y a le soutien au niveau des cuisses qu'on peut régler également en hauteur électriquement. Dernier petit truc à dire de l'intérieur, c'est que forcément donc on a le toit panoramique sur cette Tesla Model 3, et toit panoramique du coup qui est teinté, donc ça évite vraiment d'avoir tout le soleil qui vient, mais ça laisse quand même passer la chaleur, et il est découpé en deux à l'intérieur, ce toit panoramique. C'est pas comme sur la Model S où ils ont réussi à avoir un toit énormissime, un truc, mais jamais t'as vu ça sur une bagnole, frère, c'est insolent, ça va jusqu'à l'arrière. Là, non, c'est, enfin, le toit est découpé en deux parties, et la partie arrière du toit panoramique, la deuxième moitié va effectivement bien jusqu'à l'arrière. Et les assemblages, les qualités de finition sont vraiment pas mal. Je sais qu'il y a une période, c'est à l'ouverture de l'usine en Chine, il y avait des défauts de finition, mais ils se sont bien améliorés. On a du plastique moussé sur les portes, du cuir végétal, du plastique moussé en haut de la planche de bord. Bon, en veux-tu, en voilà, c'est très bien. Un système audio qui est pas mal puissant, je sais pas combien il y a de haut-parleurs, mais en tout cas, ça watt, ça envoie du bon son. Ça envoie du bon son, sa mère. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire dans l'intérieur? Que c'est bien, c'est une Tesla, les finitions sont là, il n'y a aucun bruit de mobilier. En tout cas, sur notre modèle, il n'y a pas de bruit de mobilier. On va maintenant voir ce que ça donne sur la route, cette Tesla Model 3. La conduite de cette Tesla Model 3, c'est une voiture moderne en fait. C'est ce que je dirais tout le temps, moi et Seb, qu'on vient d'anciennes voitures. J'ai une Renault Mégane, une Mazout, lui il a une Peugeot 206, une vieille voiture. Là, t'arrives là-dessus, c'est une voiture moderne. Donc effectivement, on n'a pas de bruit de mobilier dans les trous, dans les petites bosses de la route. La direction est vachement précise en fait, vachement directe, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, quand vous allez tout droit et que vous voulez tourner full à gauche ou full à droite, c'est vous qui voyez, et bien vous faites un seul tour de volant. C'est là qu'on voit qu'une Tesla, ça braque pas. Au niveau de l'accélérateur, alors Tesla vous propose deux modes d'accélération sur cette Model 3 propulsion, pardon. Un mode confort et un mode standard. Le mode le plus vénère, ça va être le mode standard, bien évidemment. Et trois modes pour la direction. Confort, standard aussi, et sport. Sport, là vraiment, vous sentez que c'est dur. En fait, la direction est plus dure, ça se raffermit. C'est une voiture qui est confortable, certes, mais qui reste quand même
un poil ferme. On aurait attendu quand même que ça soit un peu plus confortable, un petit peu plus mou. C'est quand même une voiture qui est faite pour faire de la route. Alors maintenant, vu que c'est une conception américaine, effectivement, en Amérique, ils ont peut-être pas autant de dodanes, de bosses, de trous que chez nous. Mais donc effectivement, sur nos routes françaises, c'est une voiture qui paraît un petit peu rigide quand même au niveau des suspensions. Ça mériterait d'être un petit peu plus souple. Alors après, c'est très agréable puisque vous avez le freinage régénératif qui peut pas être réglé malheureusement sur cette voiture comme beaucoup d'autres voitures électriques, qui vous permet de conduire à une seule pédale. Là, je suis à l'approche d'un rond-point et je ne freine pas du tout. C'est le freinage régénératif qui freine pour moi. Et quand vous connaissez la voiture et vous arrivez à doser l'accélérateur pour pouvoir freiner correctement à l'approche d'un virage, d'un rond-point, etc., vous touchez plus au frein que en cas d'urgence en fait. Donc vous faites des économies de consommables, les disques, les plaquettes de frein, et ça c'est hyper bien. C'est une voiture électrique, donc quand vous roulez, c'est apaisant. Vous avez aucun bruit, sauf si vous avez un connard comme moi qui commence à vous jacter des conneries pendant 2 minutes. Et un abruti de service à côté qui éternue. Mais c'est une voiture électrique, c'est apaisant, ça fait pas un bruit. Et je reviens à ce que je disais avant, les commandes sont assez simples à appréhender, surtout l'accélérateur. Alors bien sûr, c'est une voiture moderne, donc vous avez toutes les aides à la conduite que l'on peut imaginer, ABS et ESP notamment, et l'ESP parlons-en, heureusement qu'il est là puisque c'est une propulsion. Si c'est gras et que vous accélérez à fond dans des virages ou dans des ronds-points, dans des attaques de ronds-points, bah c'est là que vous pouvez jouer un petit peu, ça part du cul, c'est marrant. Alors bon, faudrait pouvoir désactiver l'ESP pour drifter, ce que je n'ai pas fait parce qu'à mon avis il n'y a pas d'option pour le désactiver, mais du coup c'est un peu joueur, ça part du cul, mais c'est vite rattrapé par l'ESP. Comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette Tesla Model 3 de base, le modèle propulsion, est proposée au catalogue Tesla à 41 990 euros. Hors option, puisque ici nous on a la peinture bleue métallisée outre-mer qui est facturée 1600 euros au catalogue Tesla. Alors à ces options là, si vous voulez avoir l'autopilote amélioré, il va falloir ajouter 3800 euros. Autopilote amélioré qui vous permettra notamment le changement de voie automatique lorsque vous êtes en autopilote en mettant votre clignotant. Tout simplement. Et si vous voulez pas cet autopilote amélioré mais que vous voulez la conduite full autonome, il faudra ajouter 7500 euros au prix d'achat de votre Tesla Model 3. Mais cette conduite full autonome, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dessus, surtout en France. Et cette conduite entièrement autonome vous offre du coup aussi la reconnaissance complète des panneaux de circulation, des feux de circulation notamment, et la réaction aussi à ces feux de circulation. Quand vous êtes au rouge, la voiture va s'arrêter. Quand vous êtes au vert, la voiture s'avance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si elle a été un petit peu longue. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dessus si elle vous a plu. L'abonnement à la chaîne, les réseaux sociaux, ça vous le savez. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne avec une vidéo high-tech ou une vidéo bagnole. Ça, c'est moi qui va voir. Parce que c'est moi qui fais les vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt sur la chaîne YouTube. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Voilà.